Hi guys, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I'm cooking a cake which name is the Ambassador. Yes, we are making diplomacy here, and this Ambassador is a traditional French cake which is a little bit old-fashioned, okay? It's difficult to find one in a bakery today, and okay, it is really not trendy. But you know, this cake doesn't deserve that, because it's really a yummy and tasty cake, okay? In the original version of the ambassador, they use wheat flour, milk and butter, but not me, okay? And although there is a green cover on the cake, and the baker writes on this cover the ambassador, okay? L'ambassadeur, okay? I won't do that here because I'm cooking for Christmas, okay? So I have choose to put on my cake a Christmas decoration, okay? What else? I have to speak about one point. In the recipe, I'm using a thermometer for cooking, okay? I'm eating my yellows of eggs with sugar, okay? If you have no thermometer, you can skip this part and you will success, okay? You can cook the cake without a thermometer. But in this case, be careful. Don't put your eggs in the refrigerator, okay? At least 24 hours before the beginning of the cooking, keep your eggs outside, okay? Because you don't want your eggs to be cold, okay? So it's really important, okay? If you want to cook this cake, you have a shopping list on the website, and if you don't want to forget something when you are at the supermarket, it is really easy to have this list on the cell phone or even on a paper, because the file is printable, okay? What else? I think that's it. I don't speak in English during all the video. I cannot do that. If you follow me, I guess you have noticed that my English is not so good. Eh? But don't worry. I will write on the screen all the explanations. And if you copy me closely, it will be easy to success. Okay. So if you are interested, if you want to cook this cake with me, take your apron, take your ingredients and follow me. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Aujourd'hui, donc, dans la série des gâteaux que je fais une série de gâteaux pour Noël. Hein. Je fais ça tout au long de l'avant, tous les jeudis. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais un ambassadeur en habit de Noël. C'est quoi un ambassadeur en habit de Noël? L'ambassadeur, déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un gâteau traditionnel un petit peu passé de mode, un petit peu ringard. Comme ça, on n'en voit vraiment pas beaucoup dans les boulangeries. C'est une génoise imbibée de kirsch, fourrée de crème pâtissière, le tout recouvert d'une pâte d'amande verte, sur laquelle on écrit au chocolat noir, au cornet, l'ambassadeur. Voilà. Donc la petite différence chez moi avec la recette originelle, c'est que moi d'abord, ça sera une recette sans blé, sans lait, sans beurre. Voilà, déjà, premier point, parce que je fais des recettes gluten-free, milk-free. Deuxième différence, la décoration. Okay. Là, je fais une série pour les fêtes de Noël. D'accord ? Donc je vais faire un ambassadeur, mais je vais le décorer façon de Noël. Donc pas façon traditionnelle. Voilà. Que dire de plus ? C'est une recette assez facile à faire. Dans la recette, j'utilise un thermomètre de cuisson. Hein. Je fais la technique classique pour faire une génoise. Okay ? Si vous avez un thermomètre, franchement, utilisez-le. Parce qu'avec des farines sans gluten, quand on respecte bien la technique, évidemment, on obtient des meilleurs résultats. Hein. Maintenant, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire la recette. Mais j'ai un conseil à vous donner, sortez vos œufs du réfrigérateur 24 heures à l'avance. Hein. Travaillez au moins avec des œufs qui ne sont pas froids, avec des œufs qui sont à température ambiante. Okay. Quoi d'autre? Testez la recette. Hein. Si je mets des recettes pendant toute la période de l'avant, c'est pour que vous puissiez les tester. On n'a pas toutes et tous les mêmes fours, on n'a pas toutes et tous les mêmes ingrédients, il y a des coups de main peut-être à avoir. Et on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Mon ambassadeur, il est très très riche. C'est un ambassadeur opulent. Il est très riche en crème pâtissière.
Il y a des gens qui préféreront mettre la moitié hein, de la quantité de crème pâtissière que moi je mets, peut-être 30% au moins. Hein. Ça, c'est les goûts, voilà, ça ne se discute pas. Hein. Donc, c'est bien de tester avant, hein, plutôt que de le faire voilà, la veille. Autre point, l'ambassadeur, laissez-lui le temps de développer ses saveurs. Hein. Si vous le préparez le matin pour le soir, c'est bien. Ou même aujourd'hui, par exemple, pour le lendemain. Hein. Il faut lui laisser le temps que toutes les saveurs un peu s'imprègnent les unes aux autres. Voilà. Que dire de plus? D'ailleurs, à ce titre, les fruits confits, vous pouvez les faire macérer même 24 heures à l'avance. Hein. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait dans la recette. Mais plus vous les laissez macérer, plus ils ont un goût de kirsch. Hein. Quoi d'autre? Si vous voulez une shopping list, une liste de courses, si vous voulez pas oublier d'ingrédients quand vous êtes au supermarché, c'est simple. Sur votre smartphone, vous avez la liste. Il suffit d'aller sur mon blog. Hein. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez imprimer la liste à la maison parce que c'est un fichier PDF imprimable. Hein. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit à propos de cet ambassadeur en habit de Noël. Bien sûr, j'ai fait une petite introduction en anglais, mais vous savez que mon site est bilingue, voilà, rien de particulier là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous me suivez. Sachez que tous les jeudis, il y a une nouvelle recette qui va sortir. Et puis, allez chercher vos ingrédients, votre tablier, et puis on commence! Donc voilà, je remplis de kirsch et voilà, là je vais laisser macérer pendant le temps de faire la génoise. Ok, donc là je vais faire ma génoise. Les éléments secs, de la farine de riz 100 g avec de la maïzena, voilà. 50 g de maïzena, 100 g de farine de riz, ça fait 150 g. Un petit peu de vanille. Bon là, moi je mets de la vanille parce que c'est... Ça paraît tout bête, mais c'est un réflexe. Étant donné que de toute façon ça va être parfumé au kirsch, je ne sais même pas si c'est utile. Mais je ne sais pas. Si je ne le fais pas, j'ai l'impression que ça va rater. C'est de l'ordre du gris-gris. Hein. Donc je dirais que c'est optionnel. N'empêche que moi je mets mon arôme vanille. Quand je fais une génoise, voilà. Voilà, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà, on mélange bien les farines, hein, riz maïzena, et si vous êtes un peu comme moi, psychorigide, un petit peu de poudre de vanille, ok? 130 g de sucre avec 200 g d'œufs. Moi, je pèse là, quand je fais un truc comme la génoise, comme j'ai envie que ça réussisse. La technique que je vais vous montrer, elle est très, 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 très importante. Il faut apprendre à la faire, hein. Oui, 182, donc je vais rajouter à la moitié d'un œuf. Voilà, parce que j'estime que 20 g d'œuf en moins, ça fait vraiment trop. Hein. Donc voilà, j'ajoute mon œuf. Alors comment on fait? Je vais battre mon œuf, parce que je veux ajouter l'ensemble. Voilà, et je vais ajouter les 20 g qui me manquent dans ma préparation. Hein. Voilà. Voilà, là je vais dépasser un petit peu, je suis à 206, je préfère être au-dessus qu'en dessous, voilà. Pour faire une génoise, mieux vaut un petit peu trop d'œufs que 20 grammes en moins, c'est trop, voilà. Voilà, donc là j'ai mis, vous avez remarqué que j'ai mis mon sucre et mes œufs dans un récipient qui va au bain-marie. Hein. Parce que c'est comme ça, la technique classique de la génoise, c'est qu'on va monter ce mélange œufs-sucre, à 55 degrés normalement, entre 50 et 60 degrés, et ensuite on ira le battre au batteur pour qu'il double venu pour obtenir le ruban, ok? On a besoin d'un thermomètre de cuisson, donc cette technique c'est quand même la technique hyper classique que vous devez maîtriser. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous travaillez sans farine de blé. Voilà, donc là c'est en train de monter gentiment. Moi, j'ai déjà entendu... Bon, vous pouvez faire cette génoise sans chauffer le mélange, bon... Moi, j'ai déjà lu que c'était inutile et tout. Moi, je vous dis que c'est utile. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, évidemment, hein, vous allez monter votre ruban sans chauffer vos œufs. Quoique, à mon avis, le mieux, c'est quand même d'un tout petit peu les chauffer, de mettre le doigt dedans, même si ils sont qu'à 30 degrés, c'est bien. On entend parfois des gens dire que ça ne sert à rien. C'est toujours des gens qui travaillent avec de la farine de blé. Donc, voilà. Hein. Moi, je vous garantis que ça sert à quelque chose pour avoir une pâte aérée.
voilà, sur un mélange farine de riz maïzena, ça c'est très utile. Hein. Donc chauffez, comme ça vous aurez un beau ruban. Même si vos amis cuisinières qui cuisinent avec des farines de blé vous disent « Non, ça sert à rien, oui, mais ma cocotte, on n'a pas les mêmes ingrédients. Hein. » 55, voilà, c'est bon. Allez, je vais aller. Vous voyez, je ne m'affole pas. Simplement, je vais arrêter mon feu et vite, je vais aller battre ça. Voilà, donc moi, j'ai arrêté à 55 et vous voyez, quand j'ai pris le temps de faire ça, c'était monté à 58. Il y a une certaine inertie. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'arrêter à 55, voilà. Là, je verse dans mon robot KitchenAid et je tourne à fond. Tiens, je n'ai pas branché. Au rapide, au maximum. Donc là, j'ai obtenu un mélange qui a doublé de volume et j'ai battu longtemps. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive vite et qui fait ruban. C'est-à-dire que quand il coule en faisant un ruban. Hein, je ne sais pas si on le voit ici, voilà. Voilà, maintenant, on va ajouter les farines. Vous avez besoin d'une Maryse et si vous avez un tamis, bon seulement si vous avez, c'est parce que là on veut aérer, donc on va tamiser. Le fait de tamiser, ça aère, hein, moi je pensais avant que ça servait à rien, mais si c'est utile, plus ça fait une différence, vos pâtes sont plus aérées, hein. C'est pas tant le problème des grumeaux que le problème surtout que vos pâtes sont plus légères, hein. Et là on veut de la légèreté, on veut pas un truc compact. On ne veut pas de la pâte à cake, hein. on veut une génoise bien aérée. Hein. Voilà, on va les mélanger tout doucement du haut vers le bas, comme si on faisait des macarons, tranquillement, sans casser nos blancs d'œufs, là, mélangés, là, voilà, tranquillement. Hein. Voilà, bon, c'est long, donc vraiment, il faut être délicat, je le dis, hein. C'est pas pour les impatients et les impatientes. Hein. Allez-y tranquillement. Hein. Si vous ne l'avez pas fait, préchauffez votre four à 180 degrés. Hein. La cuisson dure une vingtaine de minutes. Voilà. Bon, moi, je vais arrêter parce que là, le mieux est l'ennemi du bien. Je trouve que c'est pas mal. Les moules. Bon, moules à génoise, hein, donc rond. Soit silicone, soit en fer. Et aussi, on peut travailler pour avoir un très beau résultat. On peut aussi travailler avec un cercle à pâtisserie, ce que moi, je vais faire. Hein. Ok, donc, si vous êtes comme moi, peut-être que vous travaillez avec le cercle à pâtisserie. Donc, suivez-moi, voilà. Sinon, graissez votre moule, si c'est un moule métallique. Et même un peu le moule silicone, peut-être. Je ne sais pas comment vous travaillez. Bref, graissez vos moules. On va passer à l'étape de cuisson. Quand je veux que mon ruban PVC colle à mon... Le ruban colle au bord du cercle, ce que je fais, c'est que je huile un petit peu le cercle à l'intérieur. Et comme ça, le ruban va coller à l'huile. Voilà, et je ne serai pas embêtée avec un ruban qui bouge. Voilà. Après, bon, ça c'est des astuces maison, mais bon. Je montre. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le ruban, là, ce qui va se passer, c'est que voilà, il va coller à l'huile. Donc, vous voyez, vous galérerez plus pour faire tenir votre ruban à l'intérieur du cercle parce qu'il va coller à l'huile. Voilà, donc ça c'est ma technique pour voilà. Voilà, ça colle parfaitement. Maintenant je vais verser ma pâte à l'intérieur et faire cuire ça pour moi 20 minutes, mais comme j'ai changé de four, méfiez-vous, hein. Il faut surveiller entre 15 et 25 minutes. Avec mon ancien four, c'était 20 minutes à 180 degrés. Et là, je vais faire donc particulièrement attention parce que je n'ai pas refait ce type de gâteau, de génoise. J'ai pas refait de recette de génoise depuis que j'ai acheté mon nouveau four. Donc, je vais faire particulièrement gaffe à la cuisson car chaque four est différent. Hein. Nous, on n'est pas des fours professionnels. Donc, chaque four est différent. Voilà. J'ai piqué mon gâteau et il ressort sec, d'accord. 20 minutes pour moi, après ça dépend des gens. Donc là je vais tout de suite m'en occuper d'enlever le cercle. Bon, le problème c'est que c'est brûlant, donc voilà. Et je vais tout de suite transférer sur une volette pour pouvoir couper ma génoise en deux de suite. Je ne vais pas attendre, je vais la couper chaude. Hein.
Donc, pour couper la génoise bien droit, bah, vous prenez un grand couteau, ou alors si vous êtes équipé de ça, je crois que ça s'appelle une lyre, bah, vous utilisez la lyre. Hein. Voilà. Je vais régler la hauteur de ma lyre pour qu'elle arrive au milieu de mon gâteau. Là, elle est un petit peu basse. Donc là, je vais couper mon gâteau. Ok. J'ai réglé ma lyre, voilà, au milieu. Pour faciliter le travail, je fais toujours un petit... J'aide au début, je fais un petit trou pour faciliter l'entrée de la lyre, voilà, avec la couteau, voilà. Après, c'est simple, on fait des mouvements comme ça, doux. Voilà, et tranquillement, on découpe sa génoise. Il faut faire ça quand la génoise sort du four, quand elle est chaude. Hein. Voilà. Voilà, là j'ai découpé ma génoise en deux. Je vais l'ouvrir, la poser d'un côté sur une autre grille pour qu'elle puisse refroidir. Et là, je vais me mettre là, tranquillement. Il faut toujours travailler avec patience et délicatesse. Voilà. Je vais ouvrir, voilà, et renverser ça, voilà. Alors, quand je vous parlais de la technique, vous voyez, ça, c'est une génoise qui est, elle est hyper moelleuse, hyper aérée. Hein. Donc, il faut faire la technique, voilà. Il me faut 80 g de jaune, en vérité, hein, pour 500 g de lait d'amande. Voilà, c'est ça la recette. Je vais vous dire les quantités. Si vous n'avez pas de balance, vous mettez 500 ml de lait d'amande, ça ira très bien. Il ne faut pas finasser là-dessus. 500 ml de lait d'amande. Après, bon, les œufs, il y a des petits œufs, des gros œufs, mais je vais vous dire ça. Le nombre d'œufs jaunes à peu près. Ok, 5 jaunes. Il vous faut 5 jaunes. Voilà. Cherchez pas plus. 5 jaunes. Les blancs, on n'en a plus besoin du tout pour cette recette. Ne vous inquiétez pas, gardez-les. Vous allez les garder au réfrigérateur entre 24 heures et 5 jours. Ils sont toujours utilisables, au frais, comme ça, fermés. Et je vais mettre en ligne une vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être des macarons, des amaretti. Donc, si vous voulez, les blancs d'œufs, on les utilisera pour faire des petits gâteaux. Si vous me suivez, dans la semaine qui suit, dans les 5 jours qui suivent, on fera des petits gâteaux. Hein. Voilà. Donc, à mes jaunes, je vais mettre le sucre et la maïzena. Moi, c'est comme ça que je fais ma pâtissière. Hein. Le sucre. Si vous avez déjà la shopping list, vous savez déjà que je mets 100 g de sucre. D'ailleurs, je l'ai écrit là, voilà. 100 g de sucre, 45 g de maïzena. Allez. Alors, 45 g de maïzena. Allez. Mais je dois avoir un trouble obsessionnel compulsif lié à la vanille. Parce que vous voyez, là, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je mette un peu de vanille alors que je vais parfumer au kirsch. C'est n'importe quoi. Elle est folle. Moi, tant pis. Hein, ne faites pas comme moi si vous êtes pas, si vous n'avez pas un toc vanillé. Faites pas comme moi. Moi, il faut que je mette de la vanille dans les préparations de base. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on a besoin. On va fouetter ce mélange avec un petit fouet et le blanchir. Hein. Ça, on va le blanchir au four. Voilà, mélanger tout ça. Alors vraiment, moi je suis, c'est bordélique, hein, ma table de travail, c'est quelque chose. Hein. Donc moi, je fais comme ça d'abord. Je vous le dis pourquoi, parce que sinon, vous allez avoir la farine qui va voler de partout. Voilà, et ensuite, voilà. Là, allez, on y va à fond, hein. On blanchit. Voilà, donc là j'ai mon lait qui bout à mort. Donc là j'arrête avant que ça déborde. Ouhou, voilà. Je verse dans ma préparation œuf sucre petit à petit, hein, pour pas que ça éclabousse de partout, en remuant. Voilà. D'ailleurs là je vais arrêter parce que hop, je vais passer au fouet. Au fouet à la main parce que je vais en mettre de partout. Voilà. Je verse mon liquide bouillant. Tout en remuant, j'espère qu'on voit bien ce que je fais là parce que je suis un peu loin là, je trouve. Hein. Je repose la casserole, j'avais éteint le feu. Hein. Là, je vais racler bien comme il faut. Voilà. Et je reverse dans la casserole
je vais faire épaissir ma pâtissière. Enfin, j'ai un petit peu de la mousse. Hein. Vous inquiétez pas, c'est ça qui sert. C'est ça qui va vous permettre de savoir si votre pâtissière aussi, elle est cuite. Si vous n'avez pas de thermomètre pour savoir si vous êtes à 85 degrés, là. Justement, moi, des fois, j'utilise pas le thermomètre pour ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Tiens. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais mettre à 5, 6. Et je vais recuire sans arrêter de tourner. La mousse que j'ai là, là j'ai des petites bulles de mousse. En fait, quand la pâtissière sera cuite, quand elle commencera à approcher de la cuisson, il n'y aura plus de mousse. La mousse, les bulles vont disparaître. Okay ? Donc non seulement ça va épaissir, mais les bulles vont disparaître. Donc c'est un peu le truc, quand vous n'avez pas de thermomètre de cuisson pour ne pas rater vos pâtissières, voilà, c'est ça. Il faut surveiller. Quand il n'y a plus de mousse, vous continuez de cuire pendant 2 minutes. Donc là, j'ai une pâtissière qui est bien. Je viens juste de la terminer. Je mets de la purée d'amande blanche. Hop, faut que j'enlève du feu, elle est en train de bouillir. J'ai pas éteint. T'as pas la tête, je suis folle. Voilà, là j'ai éteint le feu. Donc, je mets de la purée d'amande blanche. Pendant qu'elle est bien brûlante, je mets une ou deux cuillères à soupe, c'est à vous de voir, de purée d'amande blanche. Oh, une cuillère à soupe et demie. Allez. Voilà, c'est le petit secret de ma crème pâtissière au lait d'amande. Donc là, je vais égoutter mes fruits confits. On la met dans une jatte. On va ajouter les fruits confits et on va la filmer au contact. Hein, il ne faut surtout pas qu'il y ait de trop de jus parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein. Vous les mettez dans votre crème et vous mélangez. Donc voilà, j'ai ma pâte, c'est pas une pâte, j'ai ma crème d'amande aux fruits confits qui ont macéré dans le kirsch. Je vais la filmer au contact pour la laisser refroidir. Je mettrai peut-être un petit bouchon de kirsch quand même. Je vais voir. On va voir comment elle refroidit comment elle se comporte en se refroidissant. Voilà, donc ça c'est ça filmé au contact. Hein. C'est filmé au contact de la crème pour qu'elle fasse pas de peau, qu'il n'y ait plus d'air. Donc, j'ai mis 100 g de sucre, ça j'en ai plus besoin. Pour le sirop, j'ai mis 100 g de sucre, 200 ml d'eau. Je porte tout ça à ébullition pour faire un sirop. Voilà. Là, c'est bien. Moi, ça me plaît bien. Hors du feu, j'ajoute 30 ml, même là, j'ai mis 40 ml de kirsch. Voilà. Je mélange. Là, j'ai mis 40, mais normalement, d'habitude, je mets 30. Mais j'aime bien avoir plus de sirop. Voilà. Maintenant, je vais aller imbiber mes génoises. J'avais pas allumé. Bon, ben, j'ai mis la crème pâtissière, j'ai oublié de filmer. Hein. Bon, voilà, on met la crème pâtissière ensuite sur le... Voilà, donc là j'ai mélangé mes deux. Je suis en train de mélanger la blanche et la verte. Je mets un petit peu de colorant, une petite pointe comme ça de colorant vert prairie. Hein.
Voilà. Vert prairie colorant alimentaire. Ça devrait suffire une pointe. Voilà, je mélange comme ça. Quand j'ai obtenu la couleur que je veux, je mets un papier, enfin un film, et puis là, je vais étendre pour obtenir un diamètre qui correspond au diamètre de mon gâteau. Donc moi, 20 plus 7, et il y a 7 de hauteur, donc le gâteau, donc ça fait 20 plus 14, 34. 34 cm, donc je décolle tout doucement. Voilà, d'où l'intérêt du film étirable, et ça, ça va me servir en fait. Hein, je décolle tout doucement. Je peux travailler à la main ou au rouleau. Voilà, j'ai décollé. Ça, c'est quoi, ça? Pourquoi c'est collé, là? Bon, ben, si c'est collé, ça va rester. Voilà. Je vais chercher mon gâteau. Je me sers du rouleau à pâtisserie en silicone. Je roule. Voilà. Un petit peu comme pour les pâtes à sucre. Je mets mon gâteau comme ça. Je prends ce rouleau. Je vais chercher le bout. Voilà. Et je décolle tranquillement. Hein, comme ça. Je ne sais pas si on voit ce que je suis en train de faire. Je déroule, je me place au-dessus et je pose. Voilà. Voilà comment c'est dit que ça se passe. Ok. On travaille délicatement, on ne veut pas trop appuyer. Hein. Surtout que mon ambassadeur, il est très très riche en crème pâtissière. Donc on n'appuie pas, surtout pas. On y va tranquillement. On fait avec ses doigts pour l'instant. Après, on pourra prendre un couteau ou un ustensile, les ustensiles qu'on utilise pour la pâte à sucre. Hein. Bon, ben là, il faut être délicat, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc j'ai recouvert mon gâteau. Avec les chutes, je vais faire des feuilles de houx. Et je vais changer de vert. Donc je pars sur un vert beaucoup plus foncé. Comment il s'appelle celui-là? Ben, il n'a pas de nom ce truc. Bon, donc je prends mes chutes. Je fais comme tout à l'heure. Je veux que ce soit très foncé hein, pour que ça tranche sur le gâteau. Bon là, je vais en mettre un bon paquet. Voilà, une bonne pointe de couteau. J'espère que ça va bien colorer, sinon j'en remettrai. Donc je vais faire, en fait, ma décoration, ça va être de faire des feuilles de houx. Voilà, pour colorer, on fait comme ça. Hein. Des feuilles de houx avec des petites boules rouges de houx. Voilà. Ça colle très bien parce que la pâte d'amande sur de la pâte d'amande, ça colle très très bien. Hein. Donc voilà. Donc là, j'en ai des plus petits. Je continue. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait ma couronne de feuilles. Je vais aller faire les boules de houx. Voilà, donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Évidemment, j'ai fait trois fois trop de pâte d'amande. J'ai des problèmes avec... voilà, j'en fais toujours trop. Bon, c'est pas grave, ce que j'ai dit tout à l'heure. On les garde pour faire des formes. On les met, on les emballe bien et ça se garde très très longtemps. Ça s'abîme pas, la pâte d'amande. Hein.